retrouvé à côté d'une mamie qui pue pendant 2 heures de retard sur le vol. Ensuite, 6 heures de vol ou 7 heures. Finalement, 1 heure d'attente à la douane. Et là, me voilà, rue Saint-Urbain. À chaque fois, ma maison est là-haut. J'approche du but. Interlise la plus lourde du monde. Pour moi, il est bientôt 1h du matin. Alors qu'en fait, ici, il est 18h. J'aurais dû arriver à 14h. Je suis un peu en retard. Oh, une auberge de jeunesse. Le premier réflexe a été de voir les haut-parleurs qu'il y a tout là-bas. Et du coup, j'ai branché mon iPhone. Et j'ai une chimie. On fait un tour du propriétaire. Moi j'en ai déjà fait un avec la fille là. Mais c'est trop bizarre parce que du coup là c'est la rue. Et à côté il y a l'école d'art. Ouf. Ouais, un néon avec un clic-clic. Merde. Je viens de casser le clic-clic. Mais c'est de la merde. Il est déjà râlé, putain. Jacques arrive, Jacques râle. Illico presto. Bah oui, il y a un interrupteur comme les gens normaux. Est-ce qu'il y a un stock d'ampoules pour 10 000 ans? Une magnifique buanderie. C'est cool, ils m'ont laissé plein de poubelles en rab. Ceux d'avant. On peut ouvrir là. Ouais. Ok. C'est un parking. C'est quoi ces machines de la mort? Ah, il y a des serviettes. Ouais, quelqu'un a laissé un jogging. Mais c'est super. Ah, mon étiquette à bagages a pété. Heureusement qu'il y a mon nom marqué partout dessus. Dans 3 mois, il va falloir que je vole un vélo. Attention les yeux. Ouais. Oui, ça marche. Et là, où suis-je? Un labo photo. Très bien, un labo photo. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs bizarres. Up, down, converter. J'ai fait mes premières courses. 31 $ canadiens. Ce soir, c'est spaghetti bolognaise. J'ai trouvé de l'ail.
J'ai trouvé la sauce tomate étrange qui s'appelle de la ortolina. Mise au point, ortolina. Non, pas de mise au point sur l'ortolina. C'était la Artois. Fallait que je fête le premier soir avec des bières, hein, forcément. Ce petit carnet, c'est un carnet qui rassemble des choses, des astuces et des trucs sur qu'ont écrit les précédents habitants de ce studio. Et donc là, il y a des faits que tu voudrais savoir par rapport au SDF qu'il y a à Montréal. Donc en gros, il faut pas les emmerder. Enfin, ils t'emmerdent pas si tu les emmerdes pas. Il faut les traiter comme tu veux être traité. Ils ont été là avant toi et ils seront là après toi. Donc voilà, c'est là où ils habitent et c'est à eux ici. Au lieu de leur dire de partir, faites des fêtes au studio. La lumière et le mouvement, ça leur fait peur. Et appeler la police ne sert à rien. Donc je sais pas, ils ont déjà dû appeler la police quelques fois, je sais pas. Il faut essayer de parler avec eux, mais pas trop, parce qu'au final, ils sont un peu bizarres. C'est vrai qu'en allant au supermarché, bah, j'ai croisé un espèce de couple de Coréens étranges. Ils étaient tout petits et ils étaient bizarres et ils avaient l'air un peu bourrés, ils avaient l'air un peu chelous. Voilà. Me voilà dans l'atelier. Il est tard. Je suis un peu fatigué, mais je pense que l'excitation comble le côté fatigue profonde. Parce qu'en fait, à Montréal, là, il est 21h48. J'ai bien avancé dans l'editing de cette vidéo. Et en fait, en vrai, heure de Paris, il est 4h du matin. Enfin, 3h48. Donc, voilà, pour conclure tout ça, une très longue journée avec la grosse mamie qui pue dans l'avion, les 2 heures de retard, les bagagistes qui étaient en fait des bagagistes qu'ils ont débauché très vite et qui n'étaient pas du tout formés à monter les bagages dans l'avion, ce qui fait que les bagages se sont pété la gueule de leur chariot pendant qu'ils étaient en train de les charger. C'était un très beau spectacle. Ensuite, les 7h30 de vol. Ouais, c'était très très long. Je suis certainement fatigué, mais je me rends pas compte. Le froid et l'excitation me maintient éveillé. Et je vais vous donner cette vidéo très vite. Bah, vous êtes en train de la regarder. J'espère que les vlogs vont continuer, mais ça dépend que de moi. Je pense que j'aurai le temps de m'y atteler et ça sera une bonne expérience. Voilà, même si c'est pas le vlog le plus intéressant du monde. Pourra un peu me suivre et ça me donnera une occasion de faire quelque chose en vidéo à un rythme très régulier. Voilà, donc demain matin, 10h, rendez-vous à perte de signal. J'essaierai de vous emmener avec moi. On va voir ce lieu et on va voir les gens qui m'accueillent et dans quelles conditions je vais être accueilli. Ça va être la grande découverte. J'ai froid, mais il fait 20 degrés. Je crois que c'est la fatigue. Enfin, j'ai réglé tout le chauffage à blinde. Je trouvais le studio très très chaud quand je suis arrivé, mais en fait là je me gèle déjà. Qu'est-ce que ça va être cet hiver avec les 2 mètres de neige? Je sais pas. Bon, plus j'y pense, plus j'ai froid. À bientôt.